si on continue par là, on va là on dort. Ah c'est bon, on change. Et là aussi on se retrouve avec une boîte dans la boîte. Mais pour ne pas cacher toutes les charpentes, c'est une autre question. Donc je voulais mettre comme dressing. Ouais, dressing. Machine aussi. La buanderie. Ah, je vois qu'effectivement, la maison n'est pas totalement finie. On a encore une petite chose à faire, donc ça sera capitalisé. D'accord. Il est primordial de se pencher sur sa qualité pour bien dormir et se lever du bon pied. Mousse ou ressort ? Un futon ou matelas traditionnel ? Pour bien choisir sa literie, nous avons demandé conseil à des spécialistes. On commence par les classiques, avec une question indispensable. Quand faut-il changer de literie ? Alors aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'une literie, c'est environ une dizaine d'années. Le couchage, au bout de 20 ans, le matelas sera totalement affaissé. Ça se mesure. Tout est fait maison, y compris la table. Là, est-ce que c'est une de vos créations ? C'est une table d'extrémisme, mais ce n'est pas dessiné par moi, Michael Young. D'accord, c'est un de vos collaborateurs, un des designers avec lesquels vous travaillez. Très bien. Et la chambre est en contrebas. C'est dans la clé originale. On capte, mais avec de la lumière, malgré tout. Avec d'un côté la chambre à coucher, et de l'autre côté encore un petit peu de bureau, et de la lumière naturelle, je le disais, avec les. Et je vous dirai comment vous appelez ça chez vous. Donc ici nous sommes dans la chambre parent. La chambre parent n'avait pas de contrainte à proprement dit, si ce n'est que le propriétaire souhaitait avoir un couchage à l'heure. Ça se fait par les couvertures de la salle de vidéo qui est capable de. Donc il y a un souci. Donc la partie de la question finie, ça va être fait pour la plupart des matériaux. Je trouve de notre côté dans ces lumières qui sont beaucoup plus utiles pour les conserves, qui ont été simplement cassées par les lumières par le tiers. Là, il passe par beaucoup de choses. Dans tous ces mobiliers qui sont sur le bureau de partage, sur lesquels on a rajouté une couche de conservation. Et pour terminer, c'est une sorte de transition entre la cuisine et le salon. C'est pour ça qu'on retrouve ces peintures verticales qui viennent simuler cette démarcation entre les deux espaces. Je suis allé dénicher la table d'apprentissage pour passer vraiment le bassin. Piano dans le projet pour faire aussi un petit salon de musique en plus de ce qu'elle a demandé. Bah écoute, c'est très bien parce que j'avais pour idée de faire un escalier en plusieurs volets, tu vois, qui monte doucement pour que ça ait des rangements en dessous. D'accord, bon, allez, c'est parti. On regarde, on y va. Alors, dans le premier projet, on va commencer par construire un bel escalier avec des rangements en dessous. Ça, c'est la première partie de la montée jusqu'à la mezzanine. Ensuite, la grande bibliothèque tout hauteur dont on avait évoqué l'idée chez vous. Donc, venez voir avec moi. Et nous voilà arrivés dans la mezzanine, qui constitue une pièce à part entière. Le double niveau nous permet bien d'imaginer qu'il y aura là un couchage d'appoint pour accueillir famille et amis confortablement. Et depuis qu'elle est accessible, les enfants se sont complètement appropriés cette pièce. Ils s'en sont créés une aire de jeu, une aire de lecture et ils sont super contents d'avoir cette petite cabane sous les toits. Bravo pour la réalisation, bravo pour ce que vous faites.
semaine prochaine, la maison France 5 sera toujours en Belgique. Nous serons dans les environs d'Anvers. Et puis nous allons nous vendre ici. On sait qu'il y a plein de nouveaux alias, ça grignote, ça picole. Ça se régale en même temps. Hein, la technique, ça se régale. Ça fait 300 ans là-bas. Hein. Nous serons en compagnie de Penny. Penny est architecte de l'intérieur pour décoratrice. Elle nous donnera quelques conseils sur la décoration flamande. C'est à découvrir la semaine prochaine dans la maison France 5. Et c'est ce que je vais mettre.